Zombie apocalypse. Salut à tous, c'est Zebra Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online. Depuis un moment que je ne suis pas revenu sur le jeu, depuis les derniers DLC qui sont sortis, donc on avait torché et tout, donc le Caillou Perico, donc on va se regagner le véhicule des fois, donc ça sera pas les promotions cette semaine hein, bien sûr. On va parler des DLC qui ont été annoncés par Rockstar Games, donc sur GTA Online et Red Dead Online. Donc tout d'abord, les versions next-gen vont sortir le 11 novembre à la fin de l'année, donc pour version PS5 et Xbox Series X et S, et puis voilà. Donc on va passer d'abord par GTA. Donc cette nouvelle mise à jour enfin parlera de nouvelles activités. Donc il y aura des nouvelles activités comme le retour à la ligne qui nous disent apparemment qu'on aura hop, 7 nouvelles cours, enfin 7 nouvelles arènes pour mieux écraser nos adversaires. Donc ça va être vraiment intéressant. Si vous préférez aussi, il y aura aussi les modes survie qui s'étendra bientôt aussi à nouveau, donc de nouvelles survies, ça va vraiment être intéressant. Donc c'est pas beaucoup pour le moment, mais on a quelques petites infos. Donc pour le moment on a ça, on a également des nouvelles courses, donc la nouvelle Stunt Racing qui s'appelle ça. Donc alors à voir après ce que ça va être comme course, est-ce que ça va être des courses polymorphes, est-ce que ça va être des courses classiques pour les voitures. Est-ce que ça va être des courses je pense pas des courses pour les avions, parce que quand on voit le truc, c'est vraiment des voitures. Donc à voir qu'est-ce que ça va être, à mon avis, je pense soit des polymorphes, soit des courses casse-cou. Je pense plus des casse-cou, mais ça serait bien des nouvelles polymorphes, parce que c'est vraiment les courses que moi, personnellement, je sais, à mon avis, que j'affecte le mieux. Parce que ça me permet de se transformer en avion, de se transformer en bateau, en voiture, vous connaissez les bails, quoi. Ensuite, pour finir sur GTA Online, on va avoir aussi, bah, comme je vous ai dit, les nouvelles survies. Donc on va en avoir, je pense, à peu près une 5 ou 10, à mon avis, je pense. Et à mon avis, ça va vraiment être pas mal. Donc tout ça sera en rejoignant les épreuves casse-cou. Ça sera le 27 mai. Donc ça veut dire pour la semaine prochaine. Donc jeudi prochain. Donc après, est-ce que le retour à la ligne et les survies, ça sera pareil? À voir. Mais je pense aussi, à mon avis. Ensuite, on va partir du côté de Red Dead Online. Donc ça aussi, ça fait un jeu que ça fait un petit moment que je suis pas revenu dessus. Depuis le dernier passeur la loi qui sont sortis, là, c'était le numéro 5 ou numéro 4. Désolé si j'ai des conneries, ça se trouve. Mais je sais que c'est 4 ou 5. On va avoir 8 nouvelles courses dans les lieux emblématiques à travers les 5 états de l'avant-poste de la région aride de Gap Point, Brèche à la ville minière d'Annesbourg, en passant par les marécages de la Gras. Ensuite, on va avoir aussi de nouvelles courses standards et libres. Donc on va pouvoir faire des courses standards normales et plus des courses peut-être libres, donc en s'affrontant avec d'autres joueurs en mode libre, donc en mode exploration si vous préférez. Ensuite, vous pourrez aussi faire des courses cibles et des courses de cibles libres. Donc ça y est, ça, ce qu'on avait sur GTA, il faut le mettre aussi sur Red Dead Online, donc à voir ce que ça va donner. Moi j'avais bien adhéré sur GTA, mais à voir ce que ça va donner sur Red Dead Online, parce que ça va pas être plus, ça, je pense pas être aussi simple. Comme de toute façon on passe sur des chevaux sur Red Dead Online que sur GTA c'est des voitures, donc ça va pas être la même chose. À voir, ça peut être pas mal. Ça peut être plus réaliste et tout. Et ensuite, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les versions next-gen sortiront le 11 novembre 2021 sur PS5, Xbox S et X. Donc voilà, de plus la mise à jour estivale de GTA Online offrira aux joueurs des avantages inédits leur permettant de profiter tout ce que ces versions enrichissent et améliorent et à offrir enfin pour les 20 ans de GTA 3. L'opus qui a le popularisé le genre nous réservant des surprises encore plus incroyables, notamment pour la communauté de GTA Online. Donc la version de GTA Online sera disponible sur les deux plateformes, mais elle sera gratuite en exclusivité sur PS5 durant les 3 mois suivant sa sortie. Quant aux abonnés de la PlayStation Plus sur PlayStation 4, pensez à récupérer vos bonus de GTA $, donc 1 million au début de chaque mois, jusqu'à la sortie de GTA Online sur PS5. Donc comme vous avez vu, le 11 novembre, on va avoir toutes les
des nouvelles versions de GTA et de Red Dead Online, je sais pas, mais GTA Online, ça c'est sûr, c'est confirmé. Normalement, le 11 novembre, ça sort. Donc, bon, pour ceux qui ont la PS5, ça va être super. Bon, pour ceux qui l'ont pas, malheureusement, j'espère que ça se débloquera avant. Parce que même moi, à l'heure actuelle, je n'en ai toujours pas eu. Parce que c'est une vraie misère à acheter. Et puis, les gens profitent du fait qu'elle soit en rupture de stock partout pour la revendre deux fois le prix. Après cela, c'est mon avis, mais moi je trouve ça un peu dégueulasse personnellement de vouloir vendre une console qui vaut de base 500 euros, la revendre au moins entre 800 et 1500 euros. Hein. Mais bon, après voilà, c'est mon avis. Peut-être que vous pensez pas pareil que moi, mais moi c'est ce que je pense. Je trouve c'est dégueulasse. Mais bon, bref. Donc voilà. Donc GTA V, donc comme je vous ai dit, la survie qui arrive, les courses aussi. Et les retours à la ligne, ça j'ai hâte parce que je kiffe ces activités-là personnellement. C'est vraiment le truc qu'on peut se défoncer dessus. Alors franchement, dites-moi en commentaire vous si vous préférez, qu'est-ce que vous préférez, sorte que ça, si vous préférez, si vous aimez pas les courses, ni les survies, ni les retours à la ligne. Pareil pour Red Dead Online. Là c'est que des courses notamment. Donc voilà, donc dites-moi ça en commentaire et puis j'y répondrai personnellement comme d'habitude, de toute façon vous connaissez hein. Dès qu'il y a un commentaire j'y réponds et un petit like aussi d'accord, comme d'habitude hein. On connaît l'habitude. Donc voilà. Et bien voilà, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le retour des vidéos, ça y est, on a repris depuis lundi. On reprend. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma chaîne secondaire avec Makawa pour Fortnite. Ce sera là où il n'y aura que des vidéos Fortnite. Là, excepté lundi où je vous ai mis la compilation de kills que j'ai faite. Bon, c'est pas un truc fou. Mais pour un débutant, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao ciao!